Coucou, recoucou, courloucoucou. Aujourd'hui, nous sommes le 12 février et c'est mon anniversaire. Si. Il pleut. Vous savez, le temps change vite dans une journée. Il peut faire soleil, d'un seul coup, pleuvoir. Il pleut, il pleut. Ben, comme ça, on est content, mais il en faut de la pluie, hein, s'il en faut. On est très heureux. Donc, on va ouvrir un courrier. Alors, nous sommes le 12 février, donc ben, c'est pas la peine que je vous répète tout ce que. Ah, bah si. Alors, donc là, c'est un courrier qui me vient de Catherine G. Hein. Et alors, je vous montre le colis. Hein. Voilà. J'ai beaucoup de courriers à ouvrir. Hein. Mais ça va se faire, hein. Vous inquiétez pas, ça va se faire. Hein. Non. Alors, donc voilà, hein, je vais faire ça. Et puis, on va ouvrir celui-là aujourd'hui. Hein. Ça me fait plaisir parce que je vais en ouvrir qu'un aujourd'hui. Je me rattraperai après. Mais c'est parce que là, je voulais faire les petites choses pour les enfants et puis le sketch, hein, bien sûr, parce que ça me tient toujours à cœur de faire ça bah, pour les gens qui aiment, hein, évidemment. Moi, la première, j'aime bien. Ouais, j'aime bien faire les sketchs et tout ça. Et puis, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit truc mignon avec les enfants. Donc, on a fait, pour ceux qui regardent pas toutes les vidéos, hein, surtout le mercredi, vous regardez. Enfin, quand je mets c'est mercredi, le jour des. Je sais pas ce que je mets en titre, mais quoi. Mais je bon, c'est mercredi, le jour des enfants, je sais pas quoi. Enfin, bref. Et alors, donc, on a fait une petite carte. On peut l'envoyer, hein. Petite carte Bob l'éponge, hein. Puis derrière, on fait un petit porte-courrier, hein. On fait une petite pochette et puis on y met son petit mot, hein. Et c'est léger. C'est tout léger, une éponge, hein. Et puis, comme ça, celui qui la reçoit, il peut jeter l'éponge. Hein. Vous avez compris, quoi. Alors, voilà. Alors, je vous ai dit, les enfants, vous le faites pas, ça n'a pas d'importance. C'est juste une petite idée de carte pour un enfant. Pour un enfant ou pour quelqu'un qui manque d'éponge pour faire la vaisselle, hein, qui n'a pas de lave-vaisselle, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas, tout le monde n'a pas un lave-vaisselle. Hein. Puis quand on est tout seul, à la vaisselle, ça ne sert à rien. Hein. Une assiette, un bol par jour, vous voyez ce que je veux dire, une casserole, une poêle, puis ça y est, on n'en parle plus. Hein. Il n'y a pas besoin de 50 000 couverts. Mais quand on est une grande famille, il y a besoin d'éponge. Hein. D'éponge, ouais, d'éponge aussi, de torchon, et d'un lave-vaisselle, c'est quand même bien. Hein. Parce que au moment de faire la vaisselle, débarrasser la table et de faire la vaisselle, il n'y a plus personne. Hein. Non, tout le monde se barre, hein. Il y a des devoirs. D'un seul coup, il y a des devoirs à faire, si. Vous avez compris, quoi. Si. Hein, bon. Alors, donc voilà. Alors, pour mettre la table, c'est on lève les yeux au ciel. Hein. Si, ah, si. Hein. Tu peux mettre la table, alors, les yeux qui lèvent au ciel. Voilà. Et alors, pour débarrasser la table, tout le monde se barre. Si. Mais si, c'est comme ça partout. Hein. Pouh, alors là, et on. Voilà, il y a les petites filles, elles aiment bien aider leur maman. Hein. Bon, elles sont toutes mignonnes, mignonnes. Hein. Mais bon, voilà quoi. Alors, donc, c'est un carton marron, scotché, à bloc, mais là, elle a marqué ouvrir, hein, parce qu'elle s'est dit, j'ai mis beaucoup de scotch, elle sait pas comment on va faire pour l'ouvrir, c'est tout à fait vrai, hein, j'ai pensé ça tout de suite, hein, dès que j'ai vu le carton, je me suis dit, mon Dieu, par où je vais ouvrir? Et j'ai vu qu'il y avait un petit mot, hein, un petit. Et alors, j'ai vu aussi qu'il y avait une lettre là, enfin, il y a une enveloppe, et puis j'ai vu qu'il y avait, bah, enfin, c'est tout, c'est toujours bon mal, donc qu'est-ce que fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Eh hein bien, moi, je commencerai par défaire là. Hein, pour voir qu'est-ce qu'il n'avait dedans, hein, qu'est-ce qu'il n'avait dedans dans l'enveloppe. Et donc je vais commencer par ça. J'ai le droit. C'est une carte. Oh, c'est joli ça, c'est vintage. Oh là là. Oh là que c'est joli. Oh, c'est trop joli. J'adore ce qu'a fait Catherine. Si, j'aime bien. Oh, de toute façon, j'aime tout ce que vous faites. C'est vrai, à chaque fois, je suis toujours émerveillée. Mais c'est trop mignon. Oh là 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 là. Oh, j'adore. Elle m'a fait. Vous savez, Catherine, vous avez l'habitude maintenant. C'est la scrapper du cœur qui me fait toujours les sketchs en mini. Regardez là, c'est le sketch. Oh, c'est tout mignon. Et, oh, j'adore. Alors, elle a mis des sentiments accrochés comme ça, je peux les prendre et puis genre, mais je fais ce que je veux. Hein. Non, mais je les garde telles qu'elle les fait. Mais si je voulais, je pourrais les prendre et les mettre à un charme. Bisous, amour, chic, amitié, waouh, titi, c'est mignon. Et là, il y a marqué coucou. C'est joli ce qu'elle a fait. C'est vachement beau. Elle a fait un treillis, hein, avec des petites chutes et tout, doré et tout. C'est trop joli. Puis là, c'est des petits brats, hein, en fleurs où elle a mis un petit bout de chaîne et elle a accroché avec un petit mousqueton. C'est des mini mini mousquetons. Hein. Moi, je sais pas si vous voyez, pardon. Et oh, c'est trop charmant, hein. Oh, c'est adorable, c'est beau ce qu'elle fait, j'adore. J'adore ce qu'elle fait. J'adore. Et parce qu'elle a du mérite, hein, parce qu'elle est. Je lui facilite. Moi, je sais pas parler, c'est pas ma faute. Je lui facilite pas la tâche du tout, hein. La pauvre, elle doit se dire, oh punaise. Chaque fois qu'elle a les sketchs, elle doit se dire, non, did you, non, did you.
Il est trop magnifique, hein. Et là, c'est une petite carte très très vintage avec des cœurs réalisés avec des chutes de papier et tout ça, du fil, un joli fil rouge. Et oh, c'est trop beau, mais regardez comme c'est joli. C'est beau, hein, le craft et le rouge, ça va très très bien ensemble, hein. Elle a ancré tout ça, c'est trop joli, hein. Oh, c'est beau. Elle a plastifié du. C'est joli, hein. Elle a mis du fil dans son. Dans son. C'est une bonne idée, ça. Hein. Oh, mais quelle bonne idée qu'on va lui piquer, hein, Catherine. Elle a mis du fil dans du papier à plastifier, hein. Un peu n'importe comment, là, vous savez. Et puis elle l'a plastifié. Oh, mais j'y arrive pas, hein. Non, mais je vous assure. Non, c'est parce que j'ai beaucoup parlé avec toutes les vidéos que j'ai fait, là. Et alors, donc, regardez, ça fait super sympa, hein. J'adore l'idée du fil plastifié, hein. Trop, trop bonne idée, hein. Ouais, trop bonne idée, hein. On adore, hein. Et donc, oh, qu'est-ce qu'elle a mis là encore? Qu'est-ce qu'elle a mis? Oh, elle l'a fait. Oh, c'était beau! C'est joli. Et là, elle a fait une couture tout autour, hein. Oh non, mais c'est une folle, hein. Si c'est une folle, hein. C'est une folle furieuse, hein. C'est trop joli, hein. C'est magnifique, hein. J'adore, j'adore, on adore, hein. Alors, et puis elle m'a fait. Oh, t'étais tout. Oh, en fait, elle m'a fait. Oh, là, 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 c'est trop joli. Regardez. Oh, c'est joli, hein. Il y a mes symboles comme ça, assemblés. C'est trop beau, hein. C'est sûr, hein. Il faudrait que je fasse une création pour quelqu'un, mais si je l'envoie pour quelqu'un, j'aurais pu pour moi. Si je suis une égoïste, je veux tout garder. Je vais tout garder pour moi. Non, c'était trop mignon. Oh, c'est trop joli. J'adore ce qu'elle a fait. Donc là, elle a fait une petite. Vous avez compris quoi, c'est trop joli. Hein, le fil dans le. Hein, c'est une bonne idée, hein. Excellent, hein. J'adore. Alors, son petit mot dans du papier qu'elle a cramé, elle a foutu. Si, elle a foutu le faux papier, hein. Allumez le feu. Alors, c'est trop joli, ça fait trop beau, hein. Ah, ça marche, hein. Aïe, ah, 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 il y a du Johnny B. Goode. Ah si, j'allais râler, hein. J'allais râler, si. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai peur, hein. Le dessus de l'armoire n'est pas collé pour pouvoir changer les rideaux. La barre métallique. Oh, t'étais trop chiant, ça va être trop bien. Oh là là, alors là, ça va être super. Elle a fait. Oh non, alors j'ai hâte d'ouvrir, hein. Ici, si, je vous dis pas, j'ai parlé tout haut, non, c'est rare que je parle tout haut quand je lis mes courriers, enfin je parle tout haut pour répondre, mais je lis pas ce que les gens, ils me, à part si, si, ça, si, enfin bon, vous avez compris, non, vous avez rien compris, c'est tout à fait normal, ça, oh là là, alors là, je vous dis même pas, oh, c'était colis pour Johnny, si, c'est pour Johnny B. Goode. Non, ce n'est pas pour moi, c'est pour Johnny Bigoud. Hein. Johnny, attendez, je vais le chercher, hein, faut il faut qu'il voie son cadeau. Hein. Si, je vais le chercher, non mais dites donc, quel droit. Hein. Alors, donc, viens voir là, Johnny. Si, on disait que c'était ton anniversaire. Hein. Oh là, il y a tout qui est tombé. C'est quoi qui était tombé? Ah oui, c'est pas grave, ça. Alors, Johnny, et puis Mirza, hein, ou bien ici fout le camp. Ici fout le camp. Il est là, il est toujours là. Hein. Si, il est là. Et puis, tiens. Ah ben non, il tient plus debout. Ben, si, tu tiens, toi, d'habitude. Hein. Ah, ça glisse sur la plaque en verre. Si, ça glisse. Ça fait comme si tu faisais du patin à glace. Hein. Si, tu tiens, puis c'est tout. Hein. Non, mais dis donc, avec sa jolie. Je vais pas changer. Faudrait peut-être que je le change un peu. Hein. Non, mais bon. Alors, donc, pour ce faire. Si, il est content. Hein. Il est très content. Hein. Ben, si, c'est son anniversaire aussi, on disait. Alors, on va le pousser parce qu'il va nous gêner. Hein. T'as qu'à t'asseoir, puis tu nous regardes. Hein. Tiens, je te mets là. Hein. Si, je te mets là. Je fais ce que je veux. Non, mais dis donc. Voilà, hein, si, il est bien là, si, dans le bordel, il est bien. Non, c'est parce que j'ai fait beaucoup de créations là. Alors, non, alors avant de regarder cette super création, je suis sûre c'est génial. Et j'en suis sûre. Eh bien, si vous avez acheté ça chez Action là, enfin, je ne sais pas si vous avez. C'est du correcteur, vous savez, du correcteur blanc là. J'ai vu qu'il y avait ça, donc je me suis dit, bah, moi j'aime bien parce que quand. Enfin, j'aime bien. Donc j'aime bien, mais quand on fait des erreurs, des fautes, des machins, voilà, on met du blanc et puis on. Alors je me suis dit tiens je vais l'acheter, c'est de la drouille, n'achetez hein. Pas ça, enfin après vous faites comme vous voulez, moi j'ai peut-être pas de bol comme d'habitude, mais alors les correcteurs de chez Action là, je sais pas si vous en avez déjà acheté, vous les avez testés, c'est un sans nom, non j'ai pas de nom, c'est de la drouille,
C'est de la drogue. Ah, voilà. Je dirais bien autre chose, mais bon, vous voyez quoi. Alors, donc, voilà. Hein, ça ne... Les deux. Alors, celui-ci, ça sort carrément pas. Hein. Dans les deux sens, ça ne marche pas, non, ça ne marche pas. Et alors celui-ci, il fonctionne, mais alors il faut tirer dessus et puis voilà. Hein, bon, j'étais un petit peu. Alors vous savez ce que je fais? Ben, tout le monde fait ça, non? Je suis pas la seule à faire ça. La fille qui croit qu'elle fait des trucs délire. Non, là, je vais les démonter et je garde à l'intérieur, ça fait des rouages là. Et quand on fait du steampunk ou des trucs comme ça, c'est sympa à mettre, à rajouter pour faire un peu d'effet 3D comme ça, les rouages. On peut les peindre, on peut les vernir, on peut faire ce qu'on veut. Et ça fait des jolies décorations steampunk, les rouages qu'il y a à l'intérieur. Et c'est tout quoi. Sinon, le reste, c'est bon à foutre en l'air. Hein. Si. Alors, même avec une cassette, vous savez, ce système des cassettes là, on peut pas rembobiner. Hein. Non, on ne peut pas rembobiner. Hein. On peut pas rembobiner. C'est pas comme des cassettes de notre temps. Hein. Dans notre temps, on prenait un stylo et puis on rembobinait. Là, ça marche pas. Hein. Enfin, vous avez compris quoi. Ça m'a un peu énervé. Alors, donc, pour ce faire, colis pour Johnny, c'est bien ma. C'est chez Madame Gaudissant. Chez Madame Gaudissant. Si, si. Colis pour Johnny chez Madame Gaudissant. Extra, extra, extra. Alors. Elle a fait un truc de dingue, hein, c'est sûr. Hein. Je trouve. Alors, ça, on verra ça après. Si, on verra ça après. Alors, je ne sais pas comment faire parce que j'ai peur quand même. Parce que, quand même, elle m'a dit ce que c'était, mais. Oh là, c'est blindé là-dedans. Hein. Si, c'est blindé. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh oui, elle a fait un truc encore. Elle a la coquille d'œuf. Hein. Mais c'est trop beau. Hein. Oh là là. Alors, attendez, je ne sais pas où donner de la tête. C'est tellement magnifique. Hein. Il a neigé sur yesterday. C'est des pop-corn, hein? Si, c'est des pop-corn. Non, c'est pas des pop-corn, faut pas les manger, hein. On dirait des pop-corn, hein? C'est rigolo, hein. Vous pourrez faire des choses avec ça, je sais pas quoi encore, mais bon. C'est quand les écrabouilles, hein? Quand les écrabouilles, hein, ça se manipule bien, ça. Hein. C'est un peu comme ce qu'ils font pour les enfants là. Il y en a de la matière comme ça là où j'ai jamais testé, mais parce que pff, voilà quoi, ça m'a pas tenté. Mais ça s'écrabouille et puis on fait des créations avec ça. On peut faire des barbes à papa, hein, des barbes de Père Noël. On peut même faire des pétales de marguerite si on les écrase. Regardez. Si, on fait des pétales de marguerite. Hein, regardez. Hop. On peut faire une jolie marguerite. Hein. Mais j'ai le droit de faire une marguerite si j'ai envie de faire une marguerite. Non, mais dites donc. Regardez, on fait une jolie marguerite. Hein. On met un rond jaune au milieu, puis ça y est, hein, regardez. Il a neigé sur ninana. Voilà, hop, regardez. Hop, hop, hop. Une marguerite, hein, comme ceci. Si, regardez, c'est ça, hein, regardez. Vous voyez bien, elle est belle, ma marguerite. Il faut juste un cœur jaune, là, puis ça y est, on n'en parle plus. Hein. Vous faites un rond jaune, là. Admettons, admettons. Oui, je sais, mais j'ai le droit. Hein, non, mais dites donc, qu'est-ce que je veux. Hein. Alors, admettons, on fait un rond, là. Hop, comme ça, hein. Voilà, on fait ça, hop. Ici, toi. Et puis, on met le rond comme ça, on met le rond comme si. Oh, regardez, ça fait des jolies marguerites. Si, ben, si, j'ai le droit, je peux faire plein de marguerites, hein. Plein, plein, plein. Je vais en faire, c'est ça. Puis je vous les enverrai, puis vous direz que vous êtes content, hein. Alors, donc voilà, je ferai des marguerites, vous avez compris. Alors. Vous n'y avez pas pensé, je suis sûre, vous n'y pensiez pas. Hein. Non, vous n'y pensiez pas. Alors, qu'est-ce qu'on. On commence par quoi? Bon, ça c'est bon, c'était le tuto, tuto marguerite. Oh, je ne sais pas par quel bout commencer. Regardez, c'est beau ce qu'elle fait. Hein. C'est beau, c'est une artiste, hein, vous savez. C'est de la coquille d'œuf. Hein. C'est de la coquille d'œuf. Regardez comme c'est beau, hein, avec mes symboles, hein, le cœur, les marguerites, le papillon. C'est trop magnifique, hein, Catherine, tu es folle. Hein. C'est trop joli, hein, j'adore. Oh là là, je garde. Oh là 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 là! C'est une artiste, elle n'a pas signé, hein, mais je vais la tuer. Si, je vais la tuer. Hein. Non, je ne vais pas la tuer. Hein, mais non, mais bon. Non, mais attends, je signe. Hein. Je suis désolée, hein, faut que je signe pour Catherine. Hein. Alors, je vais signer. Alors, pas là, je vais signer aux fesses. Aux fesses. Hein. Catherine G. Elle a mis de la mousse, comme ça, vous voyez, ça n'abîme pas les meubles. Hein, parce que quand j'expose, quand j'exposerai, eh bien, je pourrai l'exposer, ça n'abîmera rien du tout. Hein, c'est bien. Hein. Elle a pensé à tout, hein, c'est une. Voilà, j'ai signé pour toi, hein, parce que je te jure. Hein, regardez comme c'est beau avec le prénom dedans. C'est trop magnifique. Et tout, tout, regardez, hein, c'est que de la coquille, que de la coquille. Je dis pas la patience qu'elle a. Hein. C'est trop joli. Hein. C'est trop, trop joli. Magnifique, magnifique, magnifique. Je ne sais pas quoi dire, tellement c'est beau. Hein. C'est sublime.
Quel honneur de recevoir tes créations, mon Dieu. Alors, donc ça, c'est pour Johnny. Elle avait dit que c'était pour Johnny, et là, c'est pas pour Johnny, hein, la boîte. Ben non. Alors, donc, si. Johnny Bigood. Alors, attendez. Oh non, 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 non. Mais c'est une folle. C'est une folle furieuse. Oh, c'était trop mignon. Alors, attendez. Oh, regardez, elle a fait l'armoire pour sa penderie pour lui mettre ses fringues. C'est une folle. Alors, elle m'a dit, j'ai pas accroché les rideaux, je sais pas. Oh là, mais tu es folle, écoute. C'est une folle. Oh, il y a des étagères et tout. Non, mais regardez les rideaux. Oh, c'était trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Il y a des étagères et tout. J'y crois pas. Oh, c'était trop mignon. Oh, j'adore. Regardez. C'est trop mignon. Oh, elle est folle. Oh, les cintres et tout. Oh non. Oh non, c'est trop adorable. Oh. Non, mais regardez comme c'est trop joli. Oh. Alors, attendez, attendez, attendez. Parce que je suis tellement contente, je suis tellement excitée. Si, je suis plus excitée que Johnny Bigood, hein. Regardez. Oh, c'était tout mignon. Elle lui a fait un poncho. Si, un poncho. Viens voir là, toi. Elle lui a fait un bonnet. C'est quoi? Ah non, c'est des gants. Ah non, c'est des chaussettes. Il n'avait pas de chaussettes. Elle lui a même pensé aux chaussettes. Viens voir là, Johnny. Regarde, voici. Alors, voilà, attends, je vous montre tout. Attendez, hein. Non, je ne sais plus où donner de la tête tellement c'est. Tellement c'est magnifique. Elle a fait même une petite paillette en osier hein, pour mettre ses petits pulls ou ses petites chaussettes, par exemple. Hein. Si, moi, je sais pas, hein, je vais regarder. Mais alors ça, c'est des chaussettes parce qu'il avait froid aux pieds. Hein. En plus, c'était le plein hiver. Hein. Bon, bah, il est quand même costaud. Il a une bonne santé, Johnny. Hein. Si, il a une très bonne santé. Heureusement. Hein. Mais enfin, heureusement que Catherine est là. Hein. Catherine est là pour prendre soin de tes petits pieds. Heureusement qu'elle est là. Elle pense à tout. Il est tellement. Regardez comme il est beau. Mais regardez-moi ça comme il est beau. Hein. Tout lui va. De toute façon, le problème, c'est que Johnny, tout lui va. Hein. Tout lui va. Hein. C'est un mannequin. Hein. Il est mannequin chez Olida. On va lui essayer son petit pantalon. Ouais, je lui change de pull. Hein. Je changerai la prochaine fois. Hein. Je vais mettre son linge dans sa penderie. Et puis hop, là, on va lui mettre une petite cape. Hein. Oh là là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Tout lui va, hein, tout lui va. Regardez-moi comme il est magnifique. Hein. Viens voir là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Il en perd son sac. Hein. Il en perd pas la tête. Ouais, il est quand même. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Hein. Je ne veux pas dire, mais quand même. Hein. Il est trop magnifique. Hein. Il est trop magnifique. Je l'adore. Si, je l'adore. Oh, je crois que je l'aime, Johnny. Johnny, oh, et puis Johnny, Johnny, serre le vide. Oh, magnifique. Hein? Ah, il est beau, hein? Vous dites qu'il est beau, hein? Non, mais dites donc. Alors, tu te rassois puis tu attends, hein? Je vais te montrer ta belle armoire. Alors, vous avez vu l'armoire qu'elle a fait? Non, mais regardez, regardez, regardez le boulot. Les étagères, la tringle. Alors, la tringle, vous voyez la tringle où elle met les petits cintres. Elle a fait des petits cintres avec du fil, vous savez, le fil. Alors, je vais accrocher les vêtements et tout ça après, hein? Moi aussi, c'est trop bien. Hop, j'accroche les cintres. J'adore. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Mais j'ai le droit. Hein. Non, mais dis donc, j'ai le droit de jouer à la poupée. Hein. Non, mais si. Hein. Hop. Hop là. Ouh, t'es tout mignon. Tic-tac-tac. Ouh là là, c'est trop adorable. J'adore. Je suis en train de m'accrocher mon pull là aussi. Regardez, avec les petits cintres qui pendent et tout. Excellent. Elle a mis des petits rideaux. Tout mignon, mignon. Et puis l'armoire, elle est décorée. Hein. Elle a fait des marguerites en killing. Hein. Regardez les marguerites en killing. C'est une artiste. Hein. C'est une artiste. En haut et en bas. Hein. Regardez-moi ça comme c'est joli. Hein. Oh là là. Oh, c'est trop beau. Oh, puis ça se retire. Ah oui, elle a fait un. Comme ça, la tringle, je peux acc avoir accès. Si, hein. Oh, mais c'est vachement bien. Hein. Ah oui, parce qu'elle l'a pas fixé, c'est ça qu'elle a marqué dans son mot. Elle l'a pas fixé pour la tringle, les rideaux, machin, tout ça. Ouais, mais non, je crois que je vais pas le fixer, hein. De toute façon, tu sais, ça risque pas, parce que moi, je prends soin de. Ça risque pas de s'abîmer ni quoi que ce soit. Je prends soin de tout. Et puis, c'est mieux qu'ils soient pas fixés pour si on veut changer les rideaux. Ben, si on change la décoration de la maison. Hein. On a le droit de jouer à la poupée, hein. On fait ce qu'on veut, non, mais dites donc. C'est trop mignon, hein. Oh, c'est adorable. Et alors là, c'est la petite paillette, hein, je pense, hein, pour mettre ce que je veux dedans, hein, pour mettre ses slips, par exemple. Si, hein, pour y mettre ses slips. Hein. Excellent, hein. Excellent, excellent. Je ne sais pas quoi dire, tellement c'est magnifique. Hein. Si, c'est trop beau. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Hein. Puis alors, les marguerites en killing et tout, là, c'est une splendeur. Hein. Une splendeur, une splendeur. Hein.
Donc, du coup, on va ouvrir les petits. Je sais pas ce qu'elle a mis là-dedans. Hein. Je sais rien. Hein. J'ai peur. Hein. Si, j'ai peur. Hein. C'est trop beau. Hein. Je mets ça là. C'est pour que vous puissiez admirer en même temps tout ce que. Si, bah, c'est trop magnifique. Hein. Johnny Bigood, il est là. Hein. On va le mettre là. Hein. Si, tu bouges pas, Pépère. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'arrache comme une sauvage les paquets. Hein. Alors, elle a fait une petite boîte. Oh là là! C'est trop beau. Oh, elle lui a fait un petit chapeau en cuir. Non mais Johnny, tu sais que tu as de la chance. Hein. Non mais regarde, non, mais regardez comme ça lui va trop bien. Hein. Et tout est à la bonne taille. Hein. Si, hein. Regardez, c'est trop joli. Hein. Tout lui va, hein, tout lui va. On va te changer, on va te laisser ton petit chapeau. Hein. Si, je te laisse ton petit chapeau. Hein. Attention, t'écrases ton chien. Non mais dis donc, attention. Hein. Attention. Je vais mettre les petites fleurs. Si, on fait ce qu'on veut. Il est trop beau, hein. Il est trop magnifique. Hein. On va te mettre le chien comme ça sur les bras. Hein. Tu le portes comme ça. Si, tu le portes. Hein. Donc ça, oh, c'est trop adorable. Hein. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? J'adore. J'adore. Si. Alors, je prends un petit ciseau. Hein. Un petit ciseau. Si, je prends un petit ciseau. Hein. C'est ça. Oui, je m'adore. Ah oui, j'adore. Oui, ah, j'adore. C'est trop beau ce qu'elle a fait. Hein. Avec un morceau de cuir et tout. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, la petite couture et tout, les petits bouquets, les petites fleurs accrochées. J'adore, hein. Si, c'est extra, extra, extra. Il est trop beau. Tout lui va, hein, tout lui va de toute façon. C'est un mannequin. Oh, une nouvelle jupe. Il faut, et ça va très très bien avec la couleur du bonnet, de la laine, hein. Oh, mais il va être trop beau. Hein. Je ferai un défilé spécial. Ah, si, je ferai un défilé spécial Johnny. Hein. Et puis Johnny. Oh, c'est trop joli. Hein. Voilà. Et le boulot, parce que je sais hein, ce que ça représente hein, de couper, de coller, de coller. Oh là 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 là. De faire une petite jupe plissée comme ça. Hein, regardez. Une petite jupe plissée. Hein. Vous voyez, c'est trop joli. Hein. Magnifique. Hein, c'est trop beau. Je ferai un petit défilé, une petite vidéo spéciale défilé de Johnny Bigood quand j'aurai rempli son armoire et tout ça. Bah si, hein. Si, je ferai ça. Parce que. Voilà quoi. Hein. Et il va falloir que je range son linge et tout ça. Hein. Il y a du boulot. Hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est des chaussures? Non. Oh non, les sabots. Oh non, c'est une folle. Je vous dis, c'est une folle furieuse. Oh non, non, les petites chaussures. C'est trop bien. Attendez, non mais attendez. Alors attendez, je vais retirer ses chaussettes. Ah mais j'ai le droit. Attendez, il faut qu'il essaye. Hein. Non mais dites donc. Allez, hop, Johnny, tu fais pas, tu discutes pas. Hein. Ça c'est des petits mots de. Ouais, c'est parce que je garde tout moi. Si je garde tout. Hein. Et alors, hop, regardez, c'est même sa pointure. Hein. Ben si, c'est sa pointure. Attends, bougez pas. Couche et puis tu te tais. Hein. Une et hop et l'autre. Hein. De toute façon, si ça lui allait pas, je coupe les pieds. Hein. C'est exactement sa pointure, bien sûr. Hein. Ouais, t'es trop mignon. Et regardez comme il est beau. Avec ses. Si, il est magnifique, hein, Johnny. Alors attendez. Ah, j'essaie de le faire tenir comme ça. Mais t'as des chaussures maintenant. Bouge pas. Parce que j'essaie de lui apprendre à tenir debout. Hein, mais il a un peu de mal. Bon. Alors, tu bouges pas. Hein. T'écartes les pattes, sinon. Hein. Alors, comment j'ai fait pour le faire tenir tout à l'heure? Comment j'ai fait hein. Alors, bougez pas. Bougez pas. Si, bougez, faites ce que vous voulez. Hein. Je sais pas pourquoi il danse le jerk. Le jerk. Mais non, c'est le jerk. Viens ici. Attends. Je lui pose tout doucement parce que tout doucement, je lui pose son petit chapeau. Pourquoi? Parce qu'il va se casser la binette sinon. Tu bouges plus maintenant. Hein, ça lui va trop bien. Hein? Il est magnifique. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah non, c'était des fourrages. Les fourrages de chaussures. Les fourrages de chaussures. Donc tout lui va. Hein? Il est magnifique. Il est splendide. Hein? Alors, donc. Je vais tout ranger dans l'armoire, hein. Les petites chaussettes dans la petite paillette en osier et tout ça. Hein. Il va être, c'est vraiment au top, hein. Au top du top. Hein. Oh, c'est génial. Non, oh, mais c'est trop beau. Hein. Oh, j'adore. Attendez, parce que j'ai peur. Hein. J'ai peur. Non, j'ai peur. Hein. Oh, là, là. Alors, Johnny, dis donc, t'as laissé ton chien là. Hein. Il va être triste. Hein. Hein, voilà. C'est que je sais. Il va en avoir plein les armoires. Hein. Si, il va en avoir plein les armoires. C'est comme la chanson, ça. Hein. Allez, on nous fait croire que le bonheur, c'est d'en avoir plein nos armoires. Avoir des nanas dérisoires. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, des voiles que des choses pas commerciales. Oh, regardez! Oh, une petite tenue d'été. Oh, non, mais c'est trop mignon!
Oh, j'adore! Oh, j'aime bien cette tenue-là, moi. Oh, j'aime beaucoup. Bah tiens, aussi j'ai le droit. Je vais lui mettre. J'aime beaucoup cette tenue-là. Hein. Le vert, c'est couleur de l'espoir. Et puis regardez, ça va bien avec. C'est quand même. Je dis toujours, franchement, je vous jure, hein, je dis toujours qu'il y a des signes et tout ça. Aujourd'hui, regardez le sketch que j'ai fait. Eh bien, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je l'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. C'est dans les couleurs de la tenue de Johnny B. Goode. C'est pas ma faute, je vous assure. Je vous dis que soit je suis une sorcière. Soit je suis une sorcière, hein, soit on communique, y a un truc, il se passe un truc chez les scrappeurs du cœur, il se passe un truc. J'ai fait ce sketch-là avec cette couleur-là, je reçois un petit t-shirt de cette couleur-là. Il faut quand même, vous allez quand même pas me dire qu'il n'y a pas des trucs quand même bizarres. Je suis désolée, mais moi je trouve. Hein. Si je trouve, je trouve que c'est quand même bizarre. D'ailleurs, de toute façon, il commençait à avoir chaud, il transpire. Hein. Il va falloir que je fasse une lessive parce que. Non mais parce que bon bah faut quand même que je pense à lui faire une petite douche hein. Au cédar dépoussiérant. Si si hein, son gel douche c'est au cédar dépoussiérant. On va te retirer cette ah si bah si hein. Il a toujours les mêmes sous-vêtements hein. Un coup à l'envers un coup à l'endroit. Si bah, ce programme un coup à l'envers un coup à l'endroit c'est programme. Alors donc je vais l'habiller hein. Mais j'aime bien moi l'habiller Johnny hein. Ouais, puis Johnny, Johnny, tu es vraiment trop beau. Oh, Johnny, Johnny, ti-la-ti. Oh, il est magnifique. Hein. Oh, il va être beau. Je lui laisse ses sous-vêtements quand même, parce que ça se fait pas. Hein, de se... Non, bah non, nu, ça ne se fait pas. Hein. Et ici, toi. Et puis Johnny. Je me rappellerai toujours les cheveux. La bonne idée des cheveux. Il est magnifique. Il faudrait que je lui fasse une teinture. Hein. Hop là, regardez comme il est magnifique. Il est beau, hein, regardez. Si, bah si, il est très beau, hein, Johnny. Ah, c'est la mode de la musculation. Hein. Tout le monde fait de la musculation. Enfin, tout le monde, pas moi, mais bon. T'as perdu tes pompes? Hein, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Je vais te les remettre. Hein. Regarde. Je fais ce que je veux. Hein, de toute façon. Mais hop là. Hein. J'ai perdu la main quand même hein, pour habiller les poupées et tout ça. J'ai un petit peu perdu la main. Oui, bon, c'est pas grave. Hein. Ça va se faire. Viens voir là, toi. Hop là. Oh là, tu es belle. Oh, tu es belle, Johnny. Regardez comme il est beau. Ah, il est magnifique, hein. Hop, hop, hop. Oh, il est trop magnifique, hein. Ouh là là, mes petits plis derrière. Si, mes petits plis derrière. Je vais lui mettre donc ces petites chaussures, hein, qui lui vont vraiment à la perfection, hein. Si, à la perfection. Hop là. Voilà. Voilà. Oh, c'est tout mignon. Et regardez comme il est beau, avec son petit chapeau, hein. Avec son petit chapeau, il avait l'air d'un nez. Avec son petit chapeau. Regardez, si. Alors donc, hop, son petit chapeau, hein. Oh là là, il est très beau. Hop là, hein, il est sublime, hein. Et puis toujours son petit, toujours il emmène son petit sac de commission, hein. Toujours, toujours. Ah si. Hein. Alors ça a tendance à le déséquilibrer, hein. C'est pas grave. Donc viens ici, toi, tu arrêtes, hein, de bouger, hein, dis donc. Hein. Quand on est un mannequin, c'est pas facile. Non, c'est parce que je veux plus lui mettre le machin dans le derche. Non, ça fait mal, hein, le truc dans le derche. Moi, j'aime pas. Hein. Donc je suppose que lui non plus, il n'aime pas. Hein. Non. Donc, hop. Alors, pourquoi il est un peu démantibulé? Non, mais c'est parce qu'il veut danser le jerk, j'en suis sûre. Hein. Regardez comment il se tient. Alors, voilà. Hein? Si. Ah non, Johnny, tu tiens debout. Hein. Mais il a un problème. Hein. Je pense qu'il a une jambe plus courte que l'autre. Hein. Et moi? Vous pourrez aller. On a le droit, on fait ce qu'on veut. Je ne sais pas comment le faire tenir. Ah voilà, ça y est. Si. Si. Bon, il a un air penché, mais on s'en fout. Il y en a, ils ont l'air con. Il y en a d'autres, ils ont l'air penché. Ben lui, il a l'air penché, mais il est bien comme ça. Hein? Tu es bien? Mais bon, il a les cheveux. Il a tellement une épaisseur de cheveux aussi, il faut dire. Hein. Bah, c'est ça. Il hein. Faudrait que je l'emmène chez le coiffeur. Hein. Je pourrais peut-être lui faire une petite coupe de cheveux. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait peut-être lui faire une petite coupe de cheveux. Hein. Voilà. Hein? Si, il est très bien. Alors, donc, on est content. Hop. Alors, pour ce faire, il est magnifique. Hein, ça lui va très, très bien. Le vert lui va très, très bien. C'est une couleur magnifique. Ça va avec ses beaux yeux verts. Hein. Il a des magnifiques yeux verts. Hein. On rêve toutes d'avoir des yeux verts comme ça. Hein. Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, on va faire des boîtes gigognes. Je fais tout ce que je veux. Non, mais dites donc. Je vais faire des boîtes gigognes où je mettrai les petites chaussettes dedans. Je vais mettre ça dans l'armoire. Mais si, je vais faire ça. Non, mais dites donc, je fais qu'est-ce que. Bah, si, je fais qu'est-ce que je veux. Hein. Hop. Hop, hop, hop.
je fais ça pour l'instant, tout à fait le droit. Et ça, est-ce qu'il y en a encore, hein? Dis donc, et oh, t'as été pourri gâté, toi, hein? Je vais être jalouse, moi, hein? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Non, mais attends, et ça, c'est quoi? Un petit accessoire, peut-être, hein? Peut-être un petit accessoire, une petite montre. N'importe quoi. Un petit collier, un petit. Qu'est-ce que t'as? Hein? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est tout petit, hein? Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'elle a mis encore? Elle est folle, hein? Elle te gâte trop, hein? Ah, si, elle te gâte beaucoup trop, hein? Alors, donc, qu'est-ce qu'elle a mis? Voyons. Je fais attention parce que, comme je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Une cravate, hein, peut-être une cravate, qu'est-ce que c'est? Oh, une magnifique ceinture pour avec la tenue! Une petite ceinture! Regardez la petite ceinture! Non, mais c'était trop mignon! Oh, je vous dis, c'est une folle furieuse. Si, c'est trop joli, j'adore. Alors, bah si, bah tant pis. J'ai eu du mal à le remettre debout. Bon, bah, faut que je le recouche. Tu te couches et puis tu te tais. Si, mais une petite ceinture, tu vas être tout beau, hein. Oh là là, qu'est-ce que tu es magnifique, hein. Hop là. Oh oui, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Je n'ai plus du tout l'habitude d'habiller les bébés. Les bébés. Les poupées, moi. Non, je n'ai plus l'habitude, hein. Il a une taille de guêpe. Hein. Attendez, je ne suis pas dans le trou, hein. Je ne suis pas dans le trou. Je suis pas dans le trou. C'est pas ma faute, quand même. Hop, hein. Regardez comme elle est magnifique. Alors, attendez, attendez, je vous mets, hop, je recentre la ceinture. Hein, si. Regardez cette taille de guêpe. Hein. Regardez comme elle est magnifique. Elle est trop belle. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Hein. Je sais plus si on doit dire il, elle, on sait plus. Hein. Johnny Bigood, de toute façon, il est, comment on dit? Il fait les deux. Hein, si. Il fait les deux. Regardez. Hein? Si, il est beau. Hein, ça lui va trop bien. Il vient ici. Ah là 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 là. Je vais t'emmener chez le coiffeur, hein. De toute façon, on va faire quelque chose. Si, on va faire quelque chose pour ses cheveux, hein. C'est plus possible. Hein. C'est trop adorable. Hein. Oh, c'est trop adorable, j'adore. Hein. Tu es une folle, hein. Tu es une folle, Catherine. Je suis dingue de ce que tu fais, ça me fait trop. Oh, la prochaine fois, on essaiera celle-là. Hein. Si, on essaiera. Bon, pas là, hein, parce que là, il est changé, hein, de fond en comble. Hein. Ça suffit, hein, on va pas. Hein. Non. Alors, donc, on l'assoit, qu'est-ce qu'on fait? Allez, tu t'assois et tu me regardes hein, un petit peu. Attends, je vais te mettre là. Je te mets où je veux. Hein. Non, mais dis donc. Hop là. Hop. Hein, si, il est bien. On aurait pu mettre un tapis d'herbe là. Alors, ça, c'est les mini-sketchs. Hein. Alors, donc, ça, j'adore. Hein. J'adore quand elle me fait ça aussi. Alors, oh là. Ils sont trop beaux. Oh là là. Trop beau, trop beau. Je vous montre pas les sketchs parce que je les garde. Hein. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais. Si vous voulez les voir, ils sont dans la communauté. Hein. Je les mets toujours. Et vous savez, ça commence à. Je sais pas pourquoi je les garde comme ça sert à rien. Ça sert à rien parce que vous me les faites. Je les poste et puis. Mais je sais pas. J'ai toujours du mal à acheter les choses, moi. Je trouve que. Ouais, je sais pas. J'ai du mal. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Hein. Alors, donc, bon, voilà. Donc, ça, c'est un des sketchs. Alors, ben, vous les connaissez si vous nous suivez. Enfin, nous, oui, si vous nous suivez, la communauté. Si vous nous suivez, ben, vous savez lesquels c'est. Hein. Regardez comme c'est adorable sur un fond violet. La vie est courte, alors profitons. Oui, c'est vrai. Hein. Aimons-nous vivants, vivants, vivants. Aimons-nous vivants, maintenant. Ouais, si seulement. Si seulement, tout le monde pensait comme ça serait merveilleux, hein. De ne pas se prendre la tête pour des petits trucs futiles, hein. Regardez comme c'est joli. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop magnifique. C'est trop trop beau, hein. Ils sont beaux les sketchs. Non, ils sont trop. C'est trop beau ce que vous faites. Non mais parce que moi je fais des trucs vraiment à la. Oh là 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 là, j'adore. Oh, c'est trop mignon. Quand je vois ce que vous faites, ça me donne pas envie d'arrêter de faire les sketchs, vous voyez? C'est vrai, hein. Alors je les regarde tous, hein, quand vous les postez sur Facebook et tout ça, je regarde, hein, bien sûr. Hein. C'est des ATC, ça, non? Ah oui, c'est des ATC. Hein. Oh, c'est trop mignon, c'est les 4 saisons. Ah, il m'en manque un. Ah, il y en a un qui est parti chez quelqu'un. Hein. Non, je n'ai pas les 4. Hein. Alors, je paye pour un, hein, quatrième. Si. Alors là, nous avons un petit oiseau sur la branche. Hein. Le petit oiseau, le petit oiseau, le petit oiseau. Vous avez vu les talents qu'elle a? Comment elle dessine, etc., etc. Puis le petit oiseau, il chante. Hein. Vous avez vu les notes de musique? Hein. Si, si. Hein. C'est un petit passereau. Hein.
Monsieur, on disait que c'était un passereau, hein. J'y connais rien, de toute façon, on s'en fout. Hein. Vous non plus, vous connaissez pas, ça se trouve. Si, ça se trouve. Bah si, hein. C'est une dinde, hein. Si. Si. Une petite dinde, hein. Une dindonnette. Une dindonnette. N'importe quoi. Ça, c'est un paysage. Ça, c'est le petit chalet de Heidi, hein. Si, c'est Heidi, ça. Hein. C'est le petit chalet de Heidi, hein, dans la montagne. Hein. Je la reconnais, hein. Si, si, je le reconnais, hein. Et ça, c'est le. Oh, c'est joli, hein. Ça, c'est du houx, hein, c'est des feuilles, c'est l'automne. Hein. Ça, c'est l'automne hein, avec le petit. Si, hein, il y a les feuilles marron. Non, c'est un papillon. Ça, c'est des feuilles avec le houx, tout ça. C'est super joli. Hein. Ça, c'est l'hiver et donc ça, c'est le printemps, non? Bah, c'est le printemps. Hein. Ah non, c'est l'été. Il n'y a pas de fleurs. Non, parce que le printemps, il y a des fleurs. Et là, il n'y a aucune fleur nulle part. Donc là, ça doit être l'été. Ah non, c'est le printemps. Ah non, c'est. Non, pardon, pardon. Non, c'était marqué dessus en plus. Hein. Non, je ne vois rien. Non, c'est le printemps. Désolée, hein, c'est le printemps, c'est le printemps. Hein. C'est le printemps. Bonjour, bonjour les hirondelles. C'est le printemps. Le printemps. Le printemps. Partout, il y a le printemps. Donc voilà, ça c'est le printemps. C'est joli, hein, le petit napperon qu'elle a coupé comme ça pour mettre ses petits attessiers. Hein. J'adore. Hein. Magnifique. Hein. Oh, on adore, hein, on adore. Ça, c'est le petit sketch, vous savez, avec les cercles déstructurés là. Très très joli, hein. C'est toujours des patouilles qu'elle fait avec du papier photo et tout ça, hein. C'est magnifique. C'est bon, c'est signé ça, si, c'est signé. Ils sont adorables, adorables, c'est trop mignon, hein. Trop trop joli. Hein. Et celui-ci, ah oui, celui-ci c'est les. Normalement ça, ah oui, ça bouge, vous voyez. Ça c'est des petites, c'est pareil, c'est vachement bien ça. Hein. Bon. Si, si, c'est vachement bien. J'adore moi aussi ce sketch-là. Ça c'est des, hop, des petites bandes comme ça qui bougent. Elle a du mérite, hein, parce que faire tout ça en mini, hein. Regardez, c'est trop beau hein, ce qu'elle a fait. C'est magnifique, hein, magnifique, magnifique. Hein. Oh, je suis fan. Oh, je suis fan. C'est trop beau. Oh, c'est trop joli, trop joli, trop joli. J'aime beaucoup. Hein, c'est joli. Hein. Ah, puis là, la mienne, j'ai fait. Là, c'est des petits fanions, là. Les petits fanions. Hein, ouais, une petite banderole, quoi. Comme ça, qui pendent du plus grand au plus petit, ou du plus petit au plus grand. Hein, croissant, décroissant. Hein, bon, voilà. Hein. C'est trop chouette. Hein. Il y a toujours mes trois symboles, toujours, toujours. Hein. J'adore. C'est sublime ce que tu as fait. C'est sublime, sublime, sublime. Je suis une grande, grande fan. Trop, trop, trop. Mini tuto, mini tuto. Ah oui, tu as même fait des mini tutos. Tu es une folle, hein. Oh, c'est une folle. C'est une folle. Alors là, c'est la petite carte avec le belly band. Ah oui, c'est le petit mot, message caché, ça. Ah oui, c'est le petit message caché. Alors attends, comment elle a fait? Elle a fait un petit belly band. T'es trop mignon, hein? Avec un petit papillon comme ça. Oh là, c'est une folle. Et alors regardez, on ouvre et oh, il n'y a rien. Hein? Non, non, il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien du tout. Regardez, pouf, pouf. J'adore cette carte-là aussi. Et quand on fait ça, hop, hop là. Oui, t'es tout mignon. Il y a un message, hein? Il y a un message. Et ça fait, vous avez vu, ça fait comme un papillon, on est content. Il y a marqué, profite, la vie est belle. Oui, elle est belle, la vie. C'est super, hein. J'adore. J'adore cette petite carte magique avec les messages cachés. Hein. Parce qu'on ne s'attend pas. Hein. Non, on s'attend pas. Et puis, paf, hop, il se passe un truc. Hein. Ça, c'est formidable, ces petites cartes-là. Hein. On adore. Et elle fait ça en tout petit. Hein. Parce que toutes ces choses-là, vous pouvez les faire à tous les tutos là, que je fais, moi. Enfin, que je reproduis, on va dire. Que je fais, enfin peu importe, on s'en fout, eh bien, vous pouvez les adapter à toute taille. Hein. C'est des principes, comment on appelle ça? Des bases. Hein. C'est des bases qui s'adaptent à toutes les tailles possibles et inimaginables. Vous pouvez les faire en grand, en petit, en mini, enfin, vous faites la taille que vous voulez, c'est toujours, toujours le même principe. Souvent, c'est les pop-up, les machins, ça, c'est de la géométrie. Il faut savoir un tout petit peu calculer, hein. Soit multiplier par deux si vous voulez que ce soit deux fois plus grand, soit diviser tout par deux si vous voulez que ce soit deux fois plus petit. Vous prenez les dimensions que je prends par exemple, si vous ne savez pas faire tout seul, vous prenez les dimensions que je prends, et soit si vous voulez faire plus grand, vous multipliez tout 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 par deux, ou par quatre, on ne sait rien, mais il faut avoir du papier. Et si vous voulez plus petit, vous divisez, hein. Vous divisez par deux, trois, et vous aurez vos dimensions à vous pour faire la même chose, hein. Oh, j'aime bien ça aussi, j'adore cette carte-là aussi. Hein. Alors j'avais appelé ça pop-up et puis il y a une abonnée qui m'a dit non, c'est pas vraiment pop-up. Alors oui, non, enfin j'ai retiré pop-up, je crois. Parce que quand on ouvre, vous voyez, on ouvre, on croit qu'il se passe rien.
voyez, et un pop-up, si c'était un vrai, vrai pop-up, la carte, elle s'ouvrirait toute seule, là. Là, normalement, c'est une carte. Alors, attends. Non, pas celle-là. Ah, ben non, c'est pas la même encore, celle-là. Non, c'est pas encore la même, ça. Parce que un pop-up, c'est quand on ouvre, il se passe un truc. Mais un truc qui jaillit ou qui sort. Ou... j'avais fait un principe de carte comme ça, où on ouvrait, ça fait ça, et puis là, c'est un livret. Il faut l'ouvrir soi-même. Et là, non. Mais c'est un autre, une autre. On en fait tellement. Je sais plus ce que je fais à la force. Hein. Mais c'est trop mignon. Hein. Moi, j'aime bien parce que on peut faire bouger un truc là. Oh, ah oui. Oh, tellement, il y a tellement de choses que j'aimerais partager. J'adore. Hein, c'est trop magnifique. Et puis là, je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus. C'est quoi ça? Je sais plus. Je sais plus. Plus. Ah, c'est trop mignon ça. J'ai fait ça. Ouais, je me rappelle plus non plus. Je cache des choses, des livrets. Ouais, c'est trop mignon. Hein. C'est pareil, c'est mignon. Hein, des petits. Oh, c'est des. Elle a mis des petits personnages. Alors, il y a une chouette, un hibou, quoi. Une plume, un petit crapaud. Hein. On en a parlé tout à l'heure encore. C'est bizarre. Hein. Mais si, c'est bizarre. Puis le petit oiseau. Et c'est marrant parce que c'est vraiment dans les couleurs que j'ai un peu utilisées aujourd'hui, vert comme ça et tout. C'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Et donc, hop, il y a des cachettes, quoi. Ça fait des cachettes, hein, des petits livrets qu'on peut fermer avec des belly bands. Hein. J'adore, c'est trop mignon. Et à l'intérieur, donc, elle a fait une pochette. Je vous l'ai montré, non? Non, je ne sais plus ce que je fais. Hein. Je suis tellement émerveillée de ce que vous faites. Et là, une petite pochette en forme de tag. Hein. Tout mignon, mignon, hein. Et elle a fait deux belly bands, hein, un pour le haut, un pour le bas. Je me rappelle, t'as mis sketch, non, t'as mis quoi? Tuto? Mais je me rappelle même pas avoir fait ça. Non, je me rappelle pas. Bon, je me rappelle pas du tout. Peut-être j'en fais trop, non. J'ai des abonnés qui m'ont dit que j'en faisais trop. On dit t'en fais trop, Angie. T'en fais trop. Mais moi, j'ai pas l'impression. Je fais parce que ça me fait vraiment plaisir, hein, c'est pour ça. Hein. Si je faisais pas ça, qu'est-ce que je ferais? Et là, c'est quoi? Hop. Oh, j'adore. J'adore. Ça, c'est. Ça, vous êtes nombreuses à l'avoir fait. Hein. Vous avez aimé celui-là. Hein. Mais c'est vrai qu'il est sympa. J'aime bien. Et regardez ce qu'elle a fait. Elle a fait panda, chachache, l'oreille, le slip. Regardez le slip. Le PTP et mon petit roubouille, petit chat, t'étais trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Je regarde, j'ai le droit. Hein. Ah, c'est numéroté en plus. Elle a mis son matricule en fait. PTP 24, SM25. Ou alors elle a inventé, non? Non, je crois pas. C'est son matricule. Hein. OE9, hein, c'est son matricule. HHH157. Oh, c'est trop adorable. Joyeux anniversaire avec les couleurs. Oh. C'est trop beau, c'est trop beau. Et là, vous voyez, elle a accroché. C'est vachement bien ce qu'elle a fait. Elle a accroché avec des œillets. Hein. Elle a accroché avec des œillets. Et donc, elle a laissé du mou hein, pour pouvoir accrocher les petites épingles gourdes. J'aime bien ces petites épingles-là, moi. Je trouve que c'est assez sympa. Bon anniversaire. Oh, c'est trop adorable. J'aime bien les petits. Elle colorise bien et tout. Tout est beau. C'est magnifique. Oh, j'ai tout ouvert, j'ai rien oublié. Non, mais parce qu'il y en a tellement de partout que je suis boudée de la tête des fois. Et hein, c'est pas merveilleux ce qu'elle a fait, Catherine? Si, c'est merveilleux. Hein. Moi, je vais ranger la garde-robe. Si, je vais ranger l'armoire à Johnny. Hein. Bon, il est changé là. Hein. Il restera comme ça un moment en vert. Hein. Si, en vert et contre tout. Hein, Johnny, tu dis à Catherine que t'es content. Si? Il est content, il est beau comme un cœur. Hein. Si, il est beau comme un cœur. Mais je pense que je vais l'emmener chez le coiffeur. Hein. Si, je vais l'emmener chez le coiffeur. D'ailleurs, moi, je ferais pas mal d'y aller non plus. Ou si, je veux dire, non plus. Ouais, je t'aime, moi non plus. N'importe quoi. Je vais l'emmener chez le coiffeur parce que il a un petit peu trop de volume. Et alors, du coup, tu vois, quand on veut lui mettre un petit chapeau ou un petit foulard, je pourrais lui mettre un petit foulard sur les cheveux. Hein. Bah, si, à style les Bodins, ça lui irait bien, un petit foulard hein, posé à la Bodin. Moi j'aime bien, hein. J'essaierai hein, lui mettre ça. Si. Il est mignon, hein, regardez-moi ça. Hein. Si, il est trop beau. Hein. Bon voilà. Alors donc je vais ranger son armoire, son linge et tout ça. Hein. Je vais faire du lavage et du repassage en plus. Hein. Alors moi j'ai horreur de ça. Hein. J'ai horreur de m'occuper du linge. Hein. Oh là 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 là. De toute façon, qu'est-ce que j'aime?
Vous. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Passez une très belle soirée. Je vais arrêter là parce que je suis fatiguée hein, quand même, un petit peu. Je vais arrêter là, malgré que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à ouvrir, mais c'est pas grave, parce qu'on partagera plus longtemps, ça n'a aucune importance. Je déguste vos envois. Alors, il faut pas être pressé, pardon, hein. Pardon, de toute façon, tout sera ouvert. Il y a juste un colis, il faut absolument que je me rappelle, il faut que je regarde mes messages. Il y en a un, il faut que j'ouvre d'urgence, il paraît. Parce que il y a du vivant dedans, il y a du vivant, mais c'est peut-être ça que j'ai entendu tout à l'heure, le colis qui faisait du bruit. Il faut que je retrouve qui c'est. Je me rappelle plus. Il faut que je regarde mes messages. Elle m'a dit ouvre vite le colis parce qu'à mon avis tu vas avoir des surprises. Il va y avoir des bestioles avec. Donc celui-là je vais l'ouvrir d'urgence peut-être demain. Mais tout le reste ça va venir au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Hein. Les colissimos, bah, c'est sûr quand vous envoyez un colissimo vous savez que c'est arrivé. Hein, donc ça vous rassure. Pour les autres, ouais, faudrait que je vous dise. Faudrait que je vous dise, mais il y en a trop. Donc soyez patient, soyez mignon, hein, si vous êtes mignon de toute façon. Et donc voilà, ça viendra à qui sait attendre, hein, comme je dis toujours. Hein. Et vous faites comme moi, hein, c'est ma vertu, la patience. Hein. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, parce que c'est vrai, je comprends, parce que moi j'ai déjà envoyé des courriers qui ne sont jamais arrivés. Hein. Encore la preuve avec une abonnée de tout à l'heure, je discutais avec une abonnée de tout à l'heure, et je lui dis, bah tu sais, je t'avais envoyé un courrier, machin. Et elle me dit, ah bon? Ouais. Et j'ai pas de raison de dire n'importe quoi. Enfin, je dis même pas quand je vous envoie des choses. Hein. Je le dis pas, je fais pas de photos. Hein. Je montre pas ce que je vous envoie et tout ça parce que ça pas, enfin, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, moi. Ça n'a pas d'intérêt parce que ce que je vous envoie, en général, c'est pas grand-chose déjà. C'est soit une carte, un ATC ou parfois les deux. J'essaie de vous envoyer des découpes, de partager les découpes, les tamponnages qu'on m'envoie, des papiers, des chutes de papier, un peu de tout. Donc, ça n'a aucun intérêt de montrer ça. Hein. Enfin, non. Bon, non. Donc, voilà. Mais bon, c'est toujours embêtant parce que ben, quand on envoie un truc, ça a quand même une valeur, malgré tout. Hein. Et puis, c'est surtout, on a envie de faire plaisir. Et puis, moi, je dis rien et je dis rien parce que j'ai envie que vous ayez une surprise. Ça fait toujours plaisir d'avoir un courrier. Moi, quand je reçois vos courriers, vos colis, tout ça, mais je suis super heureuse. Alors, je me dis que ben, même si c'est pas grand-chose, ben, vous êtes content d'avoir un courrier. Ça fait plaisir de recevoir des trucs. Et puis, quand on s'y attend pas, ça fait encore plus plaisir. C'est pour ça que je ne dirai jamais rien. Je ne montre pas. Je ne dis rien. Je ne fais rien. Je ne dis rien. Je vous laisse la surprise. Voilà. Hein. Et comme je dis toujours, si ça vous plaît pas, justement, comme on fait pas de photos, des machins, et tout ça, eh ben, vous envoyez à quelqu'un d'autre. Hein, vous partagez. Ça n'a aucune importance. Hein. Aucune importance. Franchement, hein, il faut vraiment pas avoir de. Moi, je garde vos choses, c'est différent. Hein. Ou parfois, je crée avec les petites choses que vous m'envoyez, hein, les découpes et tout ça. Bien sûr, je m'en sers, hein, parce que sinon, bah, ça sert à rien. Mais vos créations, par contre, vos créations, c'est vos créations et je les garde précieusement. Même des fois, vous me faites des cartes et vous me dites, tu peux les envoyer, peux t'en servir pour envoyer à quelqu'un. J'ai du mal à faire ça. Hein. Vais tout garder pour moi. Mais non, je peux pas parce que je les garde, quoi. Ouais, je les garde. Je les garde. C'est. Ouais. Les découpes, les tamponnages, tout ça, pas de problème. Je veux bien. Les autres trucs, j'ai encore du mal à partager. Mais là, je suis un peu égoïste. Hein. Je garde tout pour moi presque. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, hein. Prenez soin de vous et puis on se retrouve demain, d'accord? Allez, ciao. Demain, ouais, je vais essayer de me rappeler qui c'est qui m'a dit d'ouvrir le truc d'urgent, hein, je vais faire ça. Je vous embrasse, à bientôt.